sa bouche là, il n'est pas tout droit. C'est vrai, il a menti. Sa bouche n'est pas tout droit. C'est à travers. This lie, Mohamed, he lied to the extent that his mouth bend. You see, devil is very wicked. Very wicked. As Abigail said, he said, "My Lord, don't mind him. As his name is, that is how he behaves. Since you are bearing lie, that is how you will be lying everywhere, defending lie, bending mouth everywhere. That's why Igbo people look at them and look at some of our black people. They look at them. You will see the wicked ones. Sometimes they will look like a monkey." Wickedness used to bend people's face. Some people will be getting fat. That fat is getting, when you look at it very well, you know that he's sick. You will just open mouth and say, "Nah, this evil with a problem." C'est comme ça qu'ils sont au Nigeria. Tous les ministères de Nigeria. That's how all the ministers, all the politicians in Nigeria is. They will fat, a kind of fat. When you see it, you know that, "Mr. Man, you are sick. This is not the correct fat." Those of them mad at killing people in Imo State. Another spirit. Go and see him. You are sick. You are he is terribly sick. He know. Your cortic place cannot save you. The wrath of Elohim, the wrath of Yah is upon you. Because every wicked spirit will never go unpunished. Hallelujah. Don't know to pay. Tu vas voir, va regarder tous nos politiciens là-bas. Ils sont, tu vas voir les choses qui sont gros. La grossesse que tu, comment ils sont gros, les femmes qui sont en grossesse, c'est bien plus que eux. Tout, à partir de leur face jusqu'à tout, c'est renflé comme un chimpanzé. C'est pour ça que les blancs regardent. Quand les blancs regardent tous les gens là, ils disent que nous on vient de chimpanzés. C'est faux. On ne vient pas de chimpanzés. C'est les gens là parce que c'est vous qui avez introduit votre esprit dans leur vie. Maintenant, l'esprit de vol, ils sont devenus maintenant champions. Donc, l'esprit de le vol, il commence de les tourmenter. Il a changé les visages, ils sont devenus comme chimpanzés. Et il dit qu'il nous entend de représenter, les représenter. Il représente qui? Animaux, il va représenter humains. Va là-bas, que Dieu les délivre. C'est le mauvais esprit qui donne leur vie. Répétez-vous tous, parce que tous ceux qui opèrent avec le mauvais esprit, il ne peut pas échapper la colère de Yahusha. Soyez remplis par l'esprit de Dieu. Ce n'est pas le mauvais esprit. Ils sont tous là-bas. Je dis qu'ils sont politiciens, leaders, présidents. Tu vas voir les autres qui sont minces. Ils sont minces comme les Lisa. Vous connaissez Lisa, non? Lisa. Lisa même est bien plus que eux. Lisa, comme quelqu'un qui va mourir. Si il y a la qualité de van qui souffre des fois, si la personne essaie de sortir dedans, tu vas voir comment le van là va les jeter. Ils sont là-bas. Mauvais esprit. Soyez remplis avec l'Esprit Saint, l'Esprit de la vérité. Ce n'est pas le mauvais esprit. Et aussi, some of them that are slim. They are slim, you see, it is not different like different from lizard. The kind of slim they are, there's some wind that used to blow. When that wicked wind, when the Lord will send those wind, when they come, tell the person to come out, he can't come out. The wind will carry him and throw him away because of his wickedness. Evil spirit. That's the way evil spirit is tormenting. When you are wicked, when you carry evil spirit, we are talking about being filled with the spirit of Elohim. Everyone that is filled with the wicked spirit, you are not going to make it. You are going to hell with it. Repent.
turn away from it. We need to be filled with the spirit of Elohim. On doit se remplir avec l'esprit de Elohim. Son esprit est très bon. Mais le monde rejette, le monde ne veut pas. Parce que le monde vit dans le ténèbre. L'esprit de Yahuwah, c'est l'esprit de la vérité. C'est l'esprit de justice, c'est l'esprit de la sainteté. C'est l'esprit de la vérité. Le monde déteste cet esprit. Les occultes détestent cet esprit. Les frimaçons détestent cet esprit. Les loges détestent cet esprit. Et c'est cet esprit, c'est cet mauvais esprit qui remplit partout. Les gens qui ont dit qu'ils sont les leaders, ils sont les dirigeants, c'est mauvais esprit qui est dans les vies. L'esprit qui ne respecte pas le roi des rois. Les pasteurs et tout, ils sont dans les mêmes catégories. Tous les pasteurs qui ne disent pas la vérité, vous êtes remplis avec le mauvais esprit. Et vous allez mourir dedans si vous ne sortez pas dedans. Quand on vous dit la vérité, vous se fâchez, vous commencez à mettre notre nom dans votre orcotique. Vous ne pouvez rien faire. Le Seigneur va vous tous déchirer en pièces irréparables. You see them. All the pastors are operating with the evil spirit. Instead of them to be filled with the spirit of Elohim, they join the occultic people, join the politicians, join the wicked people of this earth, attacking Elohim, attacking his true servant and speaking the truth to them. They will never repent. They carry evil spirit, doing evil. When they hear the truth, they will attack the person that is speaking the truth. They are claiming that they are pastor, bishop, G.O., apostle, whatever they call themselves, or prophet or prophetess. Wicked, wicked. How do we decide to choose wickedness? Drop those evil spirits and walk with the spirit of Elohim. The spirit of Elohim is the spirit of justice. The spirit of Elohim is the spirit of holiness. The spirit of Elohim is the spirit of truth. The spirit of Elohim is the spirit of correction. The spirit of Elohim is the spirit of good governance, good leader, good leadership. The spirit of Elohim is the spirit that leads people to his kingdom. You carry evil spirit leading people to hell, leading people to Satan. The spirit of Elohim, c'est the spirit of justice. L'esprit de bon dirigeant. Qui dirige le people dans le paradis de Yahuwah. Ce n'est pas le mauvais esprit. Tout l'esprit qui remplit le monde aujourd'hui, c'est l'esprit qui conduit les gens dans le ténèbre. Dans la maison de Satan. J'ai vu une vidéo. L'initiation de Ali Bongo. Je ne sais pas si je vais vous envoyer. Initiation de Ali Bongo dans le Freemason et tout. Avec le président de Congo. Mais les gens ont été demandé, dans toute ton initiation que tu as fait là, il est tombé, il a le stroke, comment dire, paralysé. On n'avait pas le sauver. On l'a poursuivi, on l'a chassé dans le pouvoir. Oui, tout à pouvoir là, ils sont où? Satan va te tromper. Satan va te promettre toutes les conneries. Mais c'est lui aussi qui va te disgracer à la fin. Continue de laisser. I saw the video of Ali Bongo where they were initiating him in the occultism. In Freemason, in whatever. They call it with the Congo president. For you to know what is happening, and that Congo president is the one that went to church of Duncan in Ghana, that he gave them the sword, occultic sword, that some people are defending that is not a occultic sword. What occultic man went to a church of a man, a president, a occultic president, occultic man of Bible says best of the same feather. Flows together. You are telling me what? We are telling the truth. Evil spirit full everywhere. Be filled with the Holy Spirit.
Know them. When you are filled with the Holy Spirit, you will know who is who. Le président de Congo, là, j'ai oublié son nom. Quelque chose sur Gwes ou quelque chose d'oublié. C'est clair, je vais vous envoyer. Après, c'est dans mon. Je vais vous envoyer ça. Alléluia. Après, les gens vont dire notre président, il nous fait ça. Tu lui as dit d'obéir. Mais ton président, là, il est aux côtés. Il a déjà initié tout le pays. Il a déjà pris l'autorité sur le pays. Il vous commande, c'est ça qu'il commande. Il vous commande pour faire, c'est ça que vous va faire. Vous ne pouvez pas obéir la voix de Dieu. C'est la voix de l'homme qui est orcotique que vous va obéir. Parce que vous avez déjà envoûté. C'est comme ça que tout le présent de ce monde, c'est que peut-être N ou D ou toi qu'on peut trouver qui sont en train de respecter sous le Seigneur. Et c'est pour cela que tous qui sont comme ça, ils vont essayer d'assassiner. Ils vont aller faire le complot pour assassiner la personne. Parce que la personne n'est pas avec eux. Mais l'heure est déjà arrivée que le Seigneur, il va continuer de les exposer et délivrer son peuple. Alléluia. Time has come that the Lord have come. That's why all this your president, our president, our president. Who is your president? You even see the people that call themselves the children of Elohim, the children of Yahuwah. They are saying our president, our president. Who is your president? An occultic man. Don't you see where they are initiating them? The Lord will be speaking. You will not obey the voice of the Lord, but you obey the voice of your occultic leaders. They use it to do sacrifice. They have sold the nation's soul to Lucifer. Instead of you to be filled with the Holy Spirit, to know who is who. That's how all the pastors also. Majority of the pastors are occultic Freemason. C'était, je ne sais pas si c'est le mois de mars. Le président du Congo là, il a parti dans l'église d'un pasteur qui s'appelle Duncan au Ghana. C'est populaire et riche. Il est en train de donner l'épée d'autorité. Que le symbole, on a vu, le symbole, c'est Freemason. Les gens sont en train de l'accuser. Qu'est-ce que le président qui est au côté qui vient dans ton église ici, il est venu là-bas pour accepter Yeshua? Il est venu là-bas, qu'est-ce que vous êtes en train de transmettre là? Vous êtes en train de faire quoi? Vous dites que vous savez Yeshua. Quel Yeshua que vous savez? Pasteur, dis-nous. Il est en train de défendre. Alors que, grâce à Dieu, il a confessé que son papa était frimaçon avant. Que c'est lui qui a prié, détruit tout. Et quand j'ai écouté tout son témoignage, parce que tu n'as rien détruit. Tu as seulement changé la façon que ça doit, que ça va travailler. Que Dieu ait pitié. C'est maintenant clair. Je vais envoyer ça. Il y a quelqu'un que je vais envoyer ça qui doit m'envoyer. Je vais lui envoyer ça. Tu as vu, non? Quand on vous dit. Tu as vu. Ça, c'est clair. Ce n'est pas caché. Initiation de cette présidente qui a parti dans l'église aller recevoir aussi l'épée. La Bible dit oiseau de le même air et vole ensemble. Il a dit aussi montre-moi ton ami, je vais te dire celui que tu es. Montre-moi ton ami. À travers de ton ami, je vais comprendre que vous êtes ensemble. Alléluia. Ah, que Dieu soit glorifié. Que le Seigneur soit glorifié. Quel esprit qui est dans votre vie? What type of spirit are you operating with? Il y a les autres. L'esprit qui est dans leur vie. Ah, toutes les choses de ce monde, il aime. Ah, le monde là, ah, ça pue. Ah, ça pue. Non, c'est pour nous. Il y a les gens qui me détestent. Il y a les gens qui ne m'aiment pas parce que je suis contre tout ce qui n'est pas OK. Je parle contre tout ce qui n'est pas OK. On ne me déteste pas. On me déteste. Quel pasteur, toutes les choses là.
c'est parce que tu as mauvais esprit en toi. Si tu as l'esprit de Dieu, l'esprit de Yahweh, Yeshua HaMashiach, c'est l'esprit de la vérité, c'est l'esprit qui voit les rêves. C'est l'esprit qui voit le mauvais esprit. L'esprit de Yahusha, l'esprit de Yahuwah, l'esprit de Elohim, l'esprit de Elion n'accepte pas n'importe quel esprit. Alléluia. Amen. C'est l'esprit pur, purifié, très très propre. Alléluia. Amen. The spirit of Elohim, the spirit of Elion, the spirit of Yahuwah, the spirit of Yahusha is a spirit that is very pure, white and clean, can never accept any unclean spirit. Amen. There's some people in this world, all the love, why they don't like me, why you cannot like me is because I expose them and I will continue to speak because that is my calling. The spirit of Elohim is a spirit that doesn't take nonsense, doesn't tolerate nonsense. Why did they kill him? Why did they go against him? Why did they fight him when he was on this earth? Because he come with a clean spirit, and that spirit rejects the wickedness of this earth. The people that call themselves Bible professors, as we are today also, that call themselves a bishop, Pharisees and Pharisees and the scribe. What type of spirit are they operating with? Wicked spirit. But they are claiming that they are the fathers in the Lord. You see it? And they are the one who killed also the person that came in the name that was sent by Elohim. How can you tell me that you are operating, you are serving God, and you are fighting against who that is speaking about that God? John 8, he says, if you are truly the children, you came from Abraham, why are you looking for how to kill me? Don't leave the John with. Il a dit, si vraiment vous dites que vous venez de Dieu, de Abraham, pourquoi vous êtes de chercher à me tuer? Parce que je vous dis la vérité, je suis venu avec le bon esprit, le bon esprit, l'esprit de Dieu, que Abraham lui-même, que vous dites que c'est votre père, que Abraham lui-même a l'habitude d'écouter et recevoir l'instruction. L'instruction que je donne à Abraham, c'est ça qu'il utilise. Maintenant, je suis venu maintenant pour vous dire tout ça que j'ai en train de parler à votre père Abraham. Vraiment, il a dit, même vraiment Abraham que vous êtes en train de parler là, il a essayé de rester jusqu'à 7 jours pour me voir face en face. Ils sont fâchés. Professeur de la Bible. Surintendant général. Bishop ou pape. Qui connaît la loi. Qui connaît la Bible. Ils sont fâchés. Contre celui qui lui a dit de dire la vérité. Et c'est ça qu'ils ont commencé de faire le complot pour lui éliminer. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont là. Ils travaillent avec l'État. La Bible dit, qu'est-ce que hôtel de bas? Hôtel de Dieu, ils cherchent quoi avec hôtel de bas? Pasteur, bishop. Parce que vous êtes ensemble. Vous n'êtes pas l'esprit de Dieu en vous. You see, all they were doing during his time is to eliminate him because of what he's telling them the truth. They call themselves doctors of the Bible. They call themselves professors of the Bible. They call themselves general overseers of the Bible. They call themselves professors. They call themselves scribes, writers of the law. They know the law. They know the biblical law. They know everything. But Yeshua come and begin to show them the truth. They were against him. All they went to do is doing meeting how to kill him. And they said they are serving Elohim. You see it? What type of spirit are you carrying? Be you filled with the spirit.
with the Holy Spirit. When you carry the spirit of Elohim, it will be different. Hallelujah. Ephesians chapter 5. Ephesians chapter 5. On va lire encore. C'est là-bas qu'on a pris notre message. On a pris notre message. Thank you, Lord. That's why we take our message, the first part of it. Ephesians chapter 5, verse 18. Be you filled with the Spirit. Edmali, si tu es là-bas. Ézéchiel 5, 18. Ephésiens chapitre 5, verset 18. Ne vous enivrez pas de vin. Cela mène à la débauche. Uh-huh. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Uh-huh. Be filled with the Spirit, not by the spirit of wine. Soyez remplis par l'esprit, pas l'esprit de vin. Les autres disent, la Bible n'est pas condamné ça quand même, il nous a déprendre un peu. Mais je vous avais montré d'aller lire Proverbe 31. Alléluia. Amen. Si tu es vraiment un roi, si tu es vraiment un prince, Salomon, dans le livre de Ecclésiaste, il a dit, hey, j'ai vu errer sous la terre. Comment le prince, qu'est-ce qu'il nous appelait? Le prince. Il marche en pied. Et l'esclavage, l'esclave, ils sont en train de rouler dans le cheval, dans l'autorité. Cheval a mis, ça signifie l'autorité. Alléluia. Amen. I told us last time. You see what you read, what we read in Ephesians chapter 5, verse 18. So if you are a prince, as Proverbs chapter 31, verse 4, say it. A prince don't drink wine, don't drink all those things. Because you will forget the law. What is the law? The biblical law. You begin to do nonsense. You begin to apply nonsense. You begin to tell them that it doesn't mean grace cover us. You begin to preach gospel, the grace he cover us. It doesn't matter. God look who heart. He's a look man. I don't know what is looking inside your heart. Hallelujah. Vous avez vu, non? Il dit, un roi, un prince ne doit pas boire alcool. Vin. Non, tu ne dois pas boire ça. Parce que ça va te faire de oublier la loi. Et la loi là, c'est quoi? La Bible. C'est pour ça que tu les vois. Quand ils ont oublié ça, il va commencer de maintenant de prêcher que la grâce nous couvre. Nous sommes dans le temps de grâce. Que quelqu'un ne doit pas vous juger. Le Seigneur, il regarde seulement le cœur. Ton cœur, c'est un film qu'il regarde. Il regarde le cœur. Donc, c'est le cœur seulement qu'il a crié. Mais Satan, il a crié dehors. Mais lui, il a crié le cœur. Il regarde seulement là-bas. Et Satan, il travaille sur ton corps. Et Méli, il a attrapé le cœur. Tu as vu la folie déjà. Le faux doctrine. Parce qu'ils sont tous. Ils sont tous bu alcool. Il y a l'alcool. Attends, c'est pas. Comprends. Hein? Je vais te réveiller quelque chose. Hé, hey, pasteur, ne fâchez pas. Écoutez seulement la sagesse. Alcool, rappel. Apocalypse 17. Il a dit, cette femme, il a donné alcool. Ils sont tous bois, ça, vin. Cette vin, c'est quoi? Doctrine. C'est la doctrine. Alléluia. Pasteur, tu as déjà vérifié toi-même bien si tu n'as pas bu l'alcool de cette femme. Si tu n'as pas bu ça, Apocalypse 17, va lire là-bas. Hein? Va lire là-bas. Tu as déjà bu cette vie, donc cette, la mère de cette femme. Et cette femme, c'est qui? Vatican. Empire romain. Hé, hey, anglais, tu veux mettre ça? Anglais, comprends ça? English people understand this very well. The Lord just dropped this revelation to me right now. Hear this very well. Pastor, don't be angry. Bishop, Papa Bishop, Archbishop, Pope, get this knowledge, get this biblical revelation. He said, kings, priests, they don't drink wine.
Why the Bible warned them about it? He said, they will forget the law. And what is the law? It is this Bible, the Torah. We are being guided by this Torah. When you are drinking wine, I am still going somewhere. I will show you something again. When you are drinking wine, you will forget it. You will begin to preach grace cover us. You begin to preach, it doesn't matter. You begin to preach what people want to hear. You begin to preach to please people, not Elohim. Hallelujah. Amen. Another spirit will take over you. Because you are drinking the wine. And what is that wine? Wait to pastor, you may say, but I don't this to drink wine. I don't this to drink wine. Français, écoutez-moi bien. Toi, pastor, français, tu peux dire, moi, je ne même pourquoi le pasteur n'est pas comme ça. Moi, je ne bois pas jamais. Je n'ai jamais bois le vin. Je ne bois pas de vin. Ce n'est pas le vin et vodka. Ce n'est pas le vin physique. C'est pour ça qu'il va t'amener dans le livre de Apocalypse 17. Allez voir cette vigne là-bas. Et cette vigne que cette femme là, il a donné tout. Tous les morts sont vus. Rappelle, la Bible dit, il a assis sous les habitants de la terre. Yeah. Tous les habitants de la terre. Et il dit, le roi de la terre, tous les leaders habillent son vigne. Son vin. Son vin, son vin. Cette vin, c'est sa doctrine. Comment il veut que tout le monde fasse son chose dans ton église et tout, et tout, et tout, et tout. Parce que vous êtes tous son fille. C'est maman prostitute. C'est lui qui vous a tous couché. Obligatoire, vous devez prendre sa doctrine et aller transmettre ça à tout le membre de votre église. C'est cette vie. Alléluia. Tu comprends? Tu comprends la parole de Dieu. C'est la révélation de la parole de Dieu. Dieu est réveillé. Il vient de mettre ça dans ma tête. Je n'ai jamais, il me rappelle. C'est ça. Regarde. J'attrape ça immédiatement. Avant que ça échappe. Alléluia. Vous te réveillez. Alléluia. You see the wine, Pastor Bishop. You may say, what is this guy saying? I don't test wine. No, the wine he's talking there is not vodka. It's not Shima Shinapo. It's not Aburachia. The wine he's talking there is spiritual wine. That wine, there is a wine that is flowing, that all the pastors, those who are not teaching, those who are saying they are, now, God, look at the heart. No one should condemn you. God, look at the heart. You can dress anyhow you are. God look the heart. You don't even reason. If God is looking at the heart, then the whole body is, who is looking that one? It's Lucifer. Yeah. That's what they mean. If God own is, I am looking at the heart, then the whole body belongs to who? Lucifer. That's why your body can go and do all the nonsensical nonsense. Then your pastor will tell you that the heart is only for God to be looking. And it doesn't matter, you have a problem. He said, this wine, kings, princes, don't take it, don't drink it. Because they will forget the Torah, the law. Because this law is what is guiding us. This book of law, he said to Joshua, should not depart in your mouth. Day and night, you must meditate on it. So, when you begin to drink wine, little, I'm coming, I want to show you now that little is dangerous. I want to show you in the Bible. This is a part two of this message. I want to show you that little is dangerous. Je vais te montrer dans la Bible. Ça, c'est la deuxième partie de cette message. C'est lui qui dit que mais je prends un peu. Mais qu'est-ce que le pasteur parle? La Bible dit on prend un peu. Je vais te montrer là où que la Bible aussi dit un peu, c'est dangereux. Pasteur. Alléluia. So, that wine there is doctrine. When you go
more deeper in Revelation, as he dropped it to me now, in Revelation 17, he said that woman sitting upon the habitat, all the habitants of this earth, he said, who kings, leaders, whether you are church leader or whatever, or pastor or GO, you are among the leaders. Who leaders? Who the rulers? Who king? Have who drinking the wine in his cup? Wine. Give them. That wine is doctrine. So he have made you, when you see the right thing, pastor, you cannot talk again. Because you have drinking the wine of that woman. And who is that woman? Vatican. Roman Empire. Sitting upon the inhabitant of the earth, the nations. Telling them what to do. By fire, by force. Passing rules and regulations. Claiming that he is the representative of Elohim on this earth. It's like a set family. Avec son vin. Qui réclamait que il est le représentateur de Yah sur cette terre. Tous les leaders, soit politiques, soit religieux. Il va là-bas aller boire son vin. Leur tête et leur cerveau. Leur original, c'est éliminé. Les faux, ils rentrent. C'est pour cela qu'on va te dire que l'aile Dieu, il regarde seulement le cœur. Et ton corps, c'est Lucifer qui regarde ça. Tu peux aller faire n'importe quoi avec ton corps, mais le cœur, laisse ça pour le Seigneur. Mais ton corps, c'est libre. Allez faire n'importe quoi. Mouvez cet esprit. Soyez-vous remplis par l'esprit de Dieu. Vous connaissez celui que tu es. That's why Solomon, in the book of Ecclesiastes, he said, it's an error. We are prince. We are royal prince. How can the prince? You see, Proverbs 31 is coming up there. He said, I see an error. I see an abomination on the earth. An error underneath the sun. The prince are walking with a barefoot on the earth. And the slave are walking on the horse. The horse means authority. They are sitting all in authority. But the true children of God are slaves. Prince becomes slave. So it's an error. We are the prince. Hallelujah. Now, come again. You that like wine, like a small. Lord said, if you take a little, not too much. Now, pastor, it doesn't mean I take a little. I have met some people also, they argue it with me. I try to talk to them. J'ai déjà rencontré les gens aussi qui m'ont essayé de parler. Pastor, ça ne fait rien, c'est un peu. Le Seigneur dit, on prend un peu. La Bible n'est pas condamnée, l'alcool, elle n'est pas condamnée. J'ai déjà aussi rencontré les gens. On va voir quelque chose encore. Toi qui prends un peu. 1 Corinthians 5. Those that are taking small. Be you filled with the Holy Spirit. Don't take. Filled with the Holy Spirit. Stop taking small. Anything that they call iniquity. Anything that is sin. Nothing like it, taking small. Small is dangerous. Hallelujah. Que Dieu nous aide au nom de Jésus Christ. May God help us in the name of Yeshua Amashia. Thank you, Lord. Toi qui dis que tu es un enfant de Dieu, arrêtez de prendre un peu de n'importe quoi que ce soit. Un peu, c'est très, très dangereux. Tout ça qui n'est pas bon, c'est pas bon. Et surtout, la cigarette, il dit, je prends seulement un pasteur. Je ne prends pas beaucoup, je prends seulement un bâton par jour. Ah. C'est pas beaucoup, c'est petit à petit, je vais laisser. Un peu. Qu'est-ce qu'on va? Let us go. There are some people that smoke cigarettes. They will say, Pastor, it's only one stick I smoke a day now. It is not too much now. After all, cigarette is not written in the Bible. Les autres vont dire, ah, Pastor, quand même, la cigarette n'est pas écrite dans la Bible. Montre-moi si c'est écrit dans la Bible.
Montre-moi. Les gens qui m'ont demandé ça. Montre-moi si c'est écrit dans la Bible. Excuse de Lucifer. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Un prêtre m'a déjà dit ça en Espagne. Un prêtre. M'a déjà dit ça. Il est rentré dans son bureau. Viens voir où qu'il a stocké les cigarettes et tout et ça, et tout. Il dit, ah, c'est prêtre de cette église, c'est catholique, cathédrale grande. C'est lui qui contrôle là-bas. Il dit, hé, pourquoi? Il dit, c'est vous qui. Dit, quand j'ai commencé à lui parler, il dit, Dieu ne regarde pas ça. Il regarde seulement le cœur. Quand ton cœur, c'est propre. Il dit, quand ton cœur est propre, je dis, comment son cœur maintenant va être propre? Comme tu as déjà utilisé le fumet, la fumée est déjà noisie là-bas. Ce n'est pas propre encore. Est-ce que c'est propre encore? C'est déjà noisi. Quand le médecin fait l'opération là-bas, ça ne peut pas être clair. Donc, comment tu vas me dire que c'est propre? Ce n'est pas propre. You see it? I have met a father that controlling a cathedral in Spain. I enter his office in the church, very big, mighty cathedral. He's the one controlling it. Come and see where he used to, on his table, cigarette. When he opened himself, everywhere is cigarette. Upon the incense he put there, cigarette. You know that cigarette have his own wicked spirit. If you become habituated to cigarette, every of your dress, your clothes, your room, everywhere will be smelling cigarette. Vous savez que cigarette il a sa odeur. Même si dans son bureau, malgré tout le odeur de démon, le comment on dit ça, ça qui semble bien allumé là. Allumé. À la sang, il a mis là-bas, ça n'est pas chassé l'odeur de cigarette. Parce que cigarette, il est un autre esprit. Quand tu vois quelqu'un qui a bu de fumée, qui a déjà habitué de ça, tout son linge, tout son maison, même sa voiture, tu rentres la voiture, tout ça sent cigarette. Tu vas savoir qu'elle est là, il fume la cigarette. Alléluia. Amen. Aide-moi à lire là-bas. Let me read it. 1 Corinthiens. Chapitre 5, verset, lis à partir de 6, oui. 6 et 8, lis 6 et 8. Verset 6. Vous n'avez vraiment pas de quoi être fier. Mm-hmm. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain... Un peu de levain... Un peu de levain... Le gros levain. Un peu. Levain signifie les péchés, les choses qui n'est pas bien. Un peu de levain. Levain, c'est un, tu vois, tu connais le Seigneur, il a utilisé ça, Exode 12. Tu vas trouver ça là-bas. Verset 3. Oui, Exode 12. Tu vas trouver ça là-bas, l'explication de levain. Et levain, c'est un semestre. C'est comme anglais appelle ça mustard seed. Mustard seed. Il est en train d'expliquer comme le plus petit qu'il est. Donc, sur le péché, il est comme ça. Ça n'est pas dit que ce n'est pas péché. Que le péché soit trop petit comme ça, c'est dangereux. Alléluia. C'est ça qu'il a été expliqué là-bas. Understand what leaven. Leaven is this mustard seed. How small? How is trying to help us? Don't you know that the little seed, little mustard seed, is very dangerous to spoil everything. Un peu de levain, il fait quoi? Fait lever toute la pâte. Ok. Verset 7. Attends.
un peu de alcool, un peu de vin, il peut lever toute la pâte. La pâte là, c'est tout ton corps. Tout sera mouillé dans le boisson de vin. Il peut détruire, un peu de levain là peut détruire toute ta vie. Pasteur Bishop, frère et sœur. Un peu, je vais goûter seulement, je vais goûter seulement, je prends seulement un peu seulement. Quand j'ai fini de manger, je prends, je bois, je me mets dans le lit tranquillement, je fais ma prière. Le Saint-Esprit commence à se manifester, je commence à voir, je pars avec Jésus, je suis à côté de lui, il me parle. Et fais attention, ce n'est pas le Seigneur que tu as été de voir. Un autre esprit. Un autre esprit, ce n'est pas lui. Oh. Monsieur, madame, ce n'est pas lui. C'est faux. Ce n'est pas lui. Le Seigneur n'a jamais contredit sa parole. Who see the saying when I pastor, when I finish, I just used to take a little. You see it? A little vein. The little leaven, leavenet all the part. Little leaven, leavenet all. What is he saying there? As you see the little mustard seed as it is, it's very dangerous to destroy all the body. The little sin, you call it little sin. Sin is sin, whether it's small, whether it's this thing. Don't take it, you say, no, it doesn't matter, I'm taking little, pastor, I'm taking little. Be very careful. Be filled with the Holy Spirit, not with wine, not with leaven. It will destroy you. Hallelujah. Amen. If you are a truly child of Elohim, the Spirit of Elohim dwells in you. And the Spirit of Elohim controls you. And the Spirit of Elohim will tell you what and what to do and what not to do. Alléluia. Et continue maintenant, continue. Verset 7. Purifiez-vous donc. Purifiez. Now, il nous demande la purification. Ça veut dire que si tu es quelqu'un qui a dit de prendre un pain, tu as besoin de prier et demander le Saint-Esprit de Dieu pour venir nous purifier. Purifier toi donc. That's why he's now asking us, purify yourself. You that are taking small, the Lord demand our purification. Hallelujah. You think that what happened to Noah? Remember he's a wine tapper. Est-ce que vous connaissez ce qui est arrivé à Noé, non? Noé. C'est un poté. Son travail, c'est. Il a des plantations de vignerons. Donc, c'est là qu'il a dit. Peut-être il a vu de prendre un PMP. Mais cette jour, il a traversé. Satan ne va toujours. Satan ne peut pas. Au commencement, quand il voulait attaquer, il ne peut pas te dire prends beaucoup. Satan ne commence jamais avec beaucoup. Alléluia. Les gens qui travaillaient, les politiciens, quand il va commencer de voler, c'est pas la première fois quand il a volé, il a triché, il n'est pas commencé avec gros l'argent. Il va devoir commencer avec. Quand ça marche, il va le dire encore, essayez encore. Alléluia. Petit à petit, il va devenir champion des gros. Mais dans cette gros maintenant, Satan aussi va faire l'exposer. Alléluia. C'est comme ça qu'il travaille. That's it. All those politicians that are stealing our monies, transferring it, they did not start that day. They started from little. They have been thieving for a long time. And Satan will continue to lead them thief. Go on. It will be taken little by little till when we grow
to the wings of Tiffin the Big. And that's when Satan also will come and expose him. Alléluia. Allez-y, go on. Purifiez-toi-même. Purifiez-vous donc du vieux levain afin d'être une nouvelle pâte. Puisque pour toi et moi, pour devenir une nouvelle pâte, tu ne peux pas, c'est pour cela que tu ne peux pas venir à notre Seigneur Yeshua Amashia, tu voulais continuer avec ton ancien pâte, ancien vie. Tu voulais continuer de marcher avec lui, avec cette vie. Non, non, ce n'est pas possible. Ça ne marche pas. Il a besoin la totalité de ta renouvellement. C'est pour cela que lui-même, il a parlé dans le Luc et dans le Matthieu. Il dit, tu ne peux pas prendre ancien vêtement. Tu prends le niveau, mais sous ça, c'est pas possible. C'est la folie. Tu vois quelqu'un, il a habillé comme un mécanicien, non? Il va dans le magazine, il prend le niveau vêtement là-bas, il met sous les... Le vendeur même, il va dire, monsieur, vous êtes normal. Regarde ça que vous êtes en train de mettre là, regarde. Même s'il l'a acheté, s'il ne voulait pas parler, il va tous secouer la tête que ça c'est pas normal. Il là n'est pas normal. Ça c'est quoi? Toi c'est quoi? Tiens, tu viens d'acheter le t-shirt neuf comme ça. Regarde ça que tu as en bas, c'est tout sale avec l'huile de mécanique et tout. Tu n'es pas levé ça, tu prends ça et le niveau là, tu mets sur. C'est. Bon, comme il nous a déjà payé, c'est comme ça qu'il va faire. C'est la personne, il est fou. Le Seigneur, il a essayé ça aussi. Il dit non, vous ne pouvez pas faire ça. Tu dois aller laver, enlever l'ancien là, avant de mettre le niveau. C'est le Saint-Esprit. Tu ne peux pas me dire que tu as le Saint-Esprit alors que tu bois encore, tu vives la vie qui ne glorifie pas Dieu, tu n'as pas nettoyé ta vie. Et tu dis que tu as le Saint-Esprit. Ton Saint-Esprit là, on doit vérifier ça. Cet esprit que tu dis que tu es, on doit aller investiguer ça. Vérifier ça, envoyer les enquêtes. Alléluia. Police des enquêtes, c'est le Saint-Esprit. Il va venir vérifier si ça vient de lui vraiment. Que Dieu aide Yeshua HaMashiach. That's the city. You can never say you have Holy Spirit. You are serving Yeshua HaMashiach and you are living your old life. No, no. You can't, Pastor. J'étais en Espagne. J'étais dans un programme avec mon pasteur, on était dans un programme de croisade. C'est nous qui avons organisé cette croisade. Donc, tout le monde était d'acheter les choses, les gens étaient d'acheter les choses pour supporter le croisade. Oui. Les autres qui sont amenés, bière sans alcool. Vous connaissez bien, non? Bière sans alcool. Spécial, il y a Henneken, il a ça, il a pour lui, sans alcool. Je pense que c'est le temps là que ça vient de sortir niveau. Mais c'est sans alcool, mais ça sent comme alcool. L'odeur, c'est l'odeur de bière. L'odeur de bière. Seulement qu'ils sont arrivés à l'alcool. Donc, quand tout le monde sont partis, ça reste nous. Maintenant, on a déjà fait le programme le premier jour. Donc, le soir, on voulait manger vers les 20h. Non, vers les 22h, 23h. Parce que le programme, il a fini 21h. On voulait manger. Moi, mon pasteur, avec un autre frère. Le pasteur, quand il est en train de chercher, il est en train de regarder tout le boisson. Il a parti prendre le Henneken sans alcool. Mets sur le table, bah!
grâce à Dieu que tu es rentré. Parce qu'il a, il, parce qu'il a déjà ouvert même. Il a déjà goûté même. Il a déjà goûté. Ah, il dit, c'est bon, mais c'est ça. Quand j'ai rentré, j'ai regardé. Il dit, pasteur, mais ça, c'est un équin. Ah, il dit, oui, il dit, mais c'est mais sans alcool, sans alcool. Il dit, sans alcool. Il dit, il y a l'odeur, il y a l'odeur, c'est comme bière. Ah, il dit, non, il dit, oui, il y a déjà goûté, c'est comme bière, mais c'est pas, il n'y a pas d'alcool dedans. On peut boire, on peut boire. Il dit, non, pasteur, non, non. Non, non, ne bois pas. C'est pas bon. Il ne faut pas sous ça qu'ils sont inclus. C'est pas bon. Sans alcool. Et le deux, c'est comme alcool. Si tu commences à boire ça, première chose, c'est pas bon. Parce que les gens, si les gens, demain, quand le programme va continuer, les gens viennent là et voient peut-être 4 ans de Henneken, ou le bouteille de Henneken, il va dire que ah, le pasteur, les gens là boivent alcool, hein. Dans l'église, les gens là boivent alcool. Comment tu vas défendre ça? Tu vas aller dire maintenant c'est sans alcool. Tu penses que les gens vont croire ça? Il y a les gens qui vont croire, mais il y a les gens qui sont sataniques, qui ne peuvent pas. Il va prendre ça avant que tu connaisses ça qui est en train de passer. C'est pas tout. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, pasteur, si tu aimes ça là parce que c'est sans alcool et l'odeur, c'est bien. C'est vraiment bien. Il dit, pasteur, ça veut dire que tu as encore intérêt d'alcool, de prendre un peu. Ah, il dit non. Il a dit de parler, c'est mon pasteur. Il a dit de parler. Il dit non. Il dit, pasteur, il faut réfléchir avec moi. Ça veut dire que tu es intéressé, il y a encore le goût de bière ici. Il dit, tu as raison de ça que tu as dit. Dit non. Tu as un point, c'est un point. Tu as dit, fait. Il dit non. Pasteur, pour ne pas même accepter, dis à la personne qui a amené ça qu'elle ne doit pas amener ça. Il dit, il m'avait appelé avant d'acheter où. Mais vous l'avez dit ça, c'est moi qui l'ai dit d'acheter. Demain, s'il vient, il se dit que c'est un erreur, que tu as fait un erreur, que ce n'est pas bon. Je prends ça, on ne veut pas ça ici. Ce n'est pas bon. Il dit, c'est vrai. Il dit, parce que j'ai goûté, grâce à Dieu que tu as rentré, mais j'ai déjà goûté. C'est exactement comme ça, le goût c'est bien. Seulement que ils sont dit sans alcool. Je dis, tu as vu, non? Ok, je lui dis quelque chose encore. Ok, si vous boivez ça, fini, et quelqu'un rentre maintenant, vous commencez à lui parler, et le dos de bière sort dans votre bouche, qu'est-ce que la personne va aller dire déjà? C'est là-bas maintenant qu'elle a dit, oui, tu as raison. Comme ça, on a ramassé tout, emballé, met ça au un coin. Et demain, quand le programme va commencer, quand la personne vient, on lui dit, tranquillement, c'est sans problème. C'est pas bon pour l'église. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tout ça en train de nous dire? Un peu, c'est pas bon. Le goût, faut pas même essayer. Satan il va pousser ça. Il va te montrer, il va te dire ça, c'est rien. Ça ne fait rien. Faut pas les écouter. Ne faut pas attendre cette voix qui dit ça ne fait rien. C'est très dangereux. Pour commencer avec quelque chose que le Seigneur, quelque chose que tu as déjà rejeté et ça te présentait encore devant toi demain. Fais attention. C'est la temptation. C'est pour cela qu'on a besoin du Saint-Esprit. Il y a quelqu'un qui est, ça que je vous ai dit là, il y a un frère qui est là-bas qui voit le pasteur. C'est lui-même qui a aidé le pasteur, met ça sur le table, met tout, arrange tout. Il n'a pas dit le pasteur. Mais c'est quand Dieu est rentré, le pasteur était content et dit, c'est pour cela que Dieu veut que tu restes toujours à côté de moi. Tu sais que tu es mon prophète. C'est ça qu'il a dit de m'appeler. Que Dieu soit son prophète. Tu as vu? C'est toi qui m'as sauvé. Mais il s'appelle Ishmael. Il dit, Ishmael, il est là. Il s'est dit qu'il a présenté tout ça. Il m'a rien dit. Il dit, fais attention, pasteur. Fais attention. On doit faire très très attention.
N'essayez pas. Laisse complètement. Ça sent bien. Ils sont seulement. Satan sait comment il a vu d'attraper les gens. Il a levé seulement l'alcool. Mais tout, l'odeur se dit donc. Quand tu commences à essayer ça, un jour aussi, tu vas voir l'alcool. Tu vas dire, je vais prendre un peu. Parce que tu as recommencé les choses que tu as laissées. Petit à petit, c'est petit à petit. Soyez-vous remplis avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en nous, il rejette toutes ces choses. Hey, finis cet endroit. Let us finish it. So, English people, be careful about Holy, about beer. I am just explaining what happened when I was in Spain about one of my pastors. We went to where we host a program, a crusade. Some people come and present. They called him before they bought it. They bought that Heineken San without alcohol. But it's smelling like beer. And my pastor took it. And you have already opened drink before I come in after the program. And I saw it, I shouted. I stopped it. I told him, it's not good. Don't take it, pastor. Don't take it. It's smelling like a beer. And when you drink it, finish, it will be smelling in your mouth. Imagine if somebody now come in for you to pray for him or for you to give him counsel. And you are speaking and your mouth is smelling beer. Will you tell him that what you drink is a beer without alcohol? How will you explain that? Or somebody come in and see this thing now, this carton drop in your office now. You just see it because before he even read San alcohol, he have already seen Heineken. Heineken is very clear. Now he will go out and tell people that pastor is drinking Heineken. What will you say? The Bible said, the little leaven leaveneth all. Little sin will spoil everything. Don't leave it. If you are filled with the Holy Spirit, run away with little sin. Don't play with little sin. It will spoil everything concerning you. It will spoil all the body. C'est pour cela que la Bible nous a dit ça. Les petites leavens, il va tout lever. Ça veut dire qu'il va tout gâter. Les petits péchés, il va tout gâter dans ta vie. Il va détruire ton esprit. Au lieu de remplir avec l'Esprit Saint, tu vas maintenant remplir avec l'esprit de l'alcool, l'esprit de monde, l'esprit de vin, l'esprit de cigarette, l'esprit de immoralité. Les gens qui font les masturbations. Pourquoi tu masturbes? Parce que tu regardes un peu la nudité. Tu regardes un peu le porno. Après maintenant, quand tu finis ça, Satan va te dire, touche en bas, touche en bas. Yeah. Tu ne sens pas ça. Tu vas dire, ah, c'est un peu que j'ai regardé. Oh. Mais pourquoi les choses là ont été me pousser? Un peu c'est dangereux. Un peu c'est dangereux. People who are practicing masturbation, it's because you are looking at naked women, naked men, naked things, naked sexual immorality. That's why all those people dressing, as you see all the streets, you dressing naked. They are satanic agents to make people to begin to masturbate. C'est pour cela que tous les gens là qui habillés en nudité, ils sont agents de Satan, que Satan a envoyé pour continuer d'habiller en nudité pour faire les gens, que les gens continuent de masturber. Si vous ne savez pas, il y a les hommes en regardant toute la nudité des femmes là qui sont dehors, dans la rue même, ils vont commencer de masturber. Oh, tu n'as pas vu les hommes? Les postes, toujours, c'est à côté. Regardez. Il va mettre la main ici, là. Il s'est de masturber. Il va continuer de sous une femme. Tout en droit que cette femme, il va. Il est en train de suivre avec ses mains ici. Tu as vu la provocation que vous êtes en train de faire dans la rue. MP, 11, il va tout. Gâté.
Hallelujah. You see it? Men, you see them putting their hand in their pocket, following a naked woman walking along the street. The hand is in his pocket. You will see the hand moving. What is he doing? He's masturbating. Because of what? Because the woman is naked. It's Lucifer. It's Nephilim on the road. Little leaven, leaven at all. Allez-y. Verset 7. Amen. Purifiez-vous donc du vieux levain afin d'être une nouvelle pâte, puisque vous êtes sans levain. En effet, Christ, notre agneau pascal, a été sacrifié pour nous. Donc, comme il a été sacrifié pour nous, on doit être pur et purifié. As our Passover lamb was sacrificed for us. So that's why he required that you and I should be purified and be filled with the Spirit. Because when you are purified, now the Holy Spirit will come into you and begin to walk. Hallelujah. So it's like, can't you have purified material? The Holy Spirit rent unto her, they will commencer to travail. Allez-y. Verset 8. Célébrons donc la fête. La fête, moi, il me dit la Pâque. Oui. Non, avec du vieux levain. Tu as vu? C'est pour cela que l'apôtre Paul il a dit aussi, quand on voulait faire la Saint-Saint dans le livre de Corinthiens, c'est 11, non? Et c'est 2 Corinthiens 11 ou 2 Corinthiens 10, 2 Corinthiens 12, je pense 12. Là qu'il a parlé, il a dit avant que nous on approché le tableau du Seigneur, que tout voit que vous êtes purs. Éliminez-vous tous les anciens. Les vins. Il dit parce que il n'est plus pas humain, parce qu'il vient approcher la nature du Seigneur avec les vins. Et quand il mange, il meurt. Mais soit la maladie, soit quelque chose de terrible. Soyez vous purifier avant d'approcher la nature du Seigneur. You see it? That's why Apostle Paul made us understand in that 2 Corinthians chapter 12. C'est 12, non? 2 Corinthians 12. C'est là-bas, non, qu'il a parlé de la Pâque. Chapter 11. So we have to make ourselves holy, purified before we approach the Lord's Supper. Hallelujah. Remove all the old leaven. Allez-y. Verset 8. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain. Let us celebrate the Passover with holiness. Without sin. Not with sin. Old with leaven. Leaven is sin. But with unleavened. Unleavened. No sin. Purify. Hallelujah. Hallelujah. Allez-y. Le levain du mal et de la méchanceté. Ok. Maintenant, il a noté tout. Pour savoir ça que le levain, il est. C'est le péché. Vous avez vu? Il a commencé de mettre les méchants un par un. Mal, méchanceté. Mais avec les pains sans levain, de la pureté. Vous avez vu? Pain sans levain, c'est la pureté. C'est la sainteté. C'est ça qu'on doit avoir. Si tu dis que tu as déjà rencontré Yeshua HaMashiach. Et la vérité. Amen. Vous avez vu, non? Soyez remplis avec le Saint-Esprit. Be filled with the Holy Spirit. When you say you have repented, you have met Elohim, and you are still living in your old life. Et puis, tu es tout you are a liar. You are deceiving yourself. Satan have just put a mark in you. Hallelujah. Amen. Anyone that have repented, turn away from his old life. C'est ça que tu dois être clair pour toi et moi. Si tu dis que tu as déjà atteint des niveaux, tu as rencontré Yeshua HaMashiach, tu as déjà sauvé et tu continues de vivre ton ancien vie. Tu es un menteur. Satan, il a déjà mis la marque sur ta vie. Tu vas t'amener à l'enfer. Va repenter. Va changer ta vie. Alléluia.
Il n'y a pas quelqu'un qui a repenti, qui marche encore avec son ancien vie. Fait ancien vie partie. Que le Saint-Esprit de Yeshua HaMashiach peut rentrer dans ta vie. Alléluia. Let your old life, the leaven in your life disappear so that the Holy Spirit can enter into you. You see how he mentioned it? Wickedness is, he begin to name what leaven is. Wickedness, hatred, all kind of attitude and bad characters. They are leaven, old leaven, they are old leaven. Let them depart from your life. If you want Holy Spirit, if you want to be filled with the Holy Spirit, if you want to walk with the Holy Spirit. Hallelujah. Let us see again, Colossians chapter 3. On va voir encore Colossiens chapitre 3. Et on va noter ça. Alléluia. Be filled with the Holy Spirit. Whoever that is filled with the Holy Spirit speaks differently. Alléluia. Notez ça. Let us write this down. To be filled with the Holy Spirit, anyone that is filled with the Holy Spirit speaks differently. Your language will become different. Alleluia. A song say, the way I used to live before, I live no more. The way I used to talk before, I talk no more. The way I used to think before, I think no more. That is a great change since I know Yah. That is a great change since I know Yah. That's what the song say. I don't get the full meaning of it. Yeah, chanson qui dit comme d'habitude, je parle avant, je parle pas encore. La façon que j'ai l'habitude de rafraîchir avant, je ne rafraîchis pas comme ça encore. La façon que j'ai l'habitude de réagir avant, je ne réagis pas comme ça encore. Il y a un grand changement depuis que j'ai rencontré Yah. Si ta vie n'est pas encore arrivée ça, tu n'es pas encore arrivé à ce point. Tu n'es pas encore rencontré Yeshua et il n'y a pas le Saint-Esprit en toi. Tu te dis que tu as rencontré Yeshua à Machia, tu continues de fumer la cigarette, alcool, fornication, immoralité. Tu as encore en train de. Tu vives avec cette monsieur, avec cette femme, cette fille, et vous n'êtes pas marié, et vous êtes dans l'adultère, fornication, et votre pasteur il vous dit ça ne fait rien. Tu vas t'amener à l'enfer. Tu n'es pas encore rencontré Yahusha. If you say that you have met Yeshua, you have met Jesus, you are now born again, and you are still living with that man, that woman who did not marry you, who did not pay your dowry, you people are still there committing fornication and immorality. You did not leave that girl. You say it's your boyfriend, your girlfriend. You say it's your fiancé. Fiancé, you people are busy scattering yourself. You say it's fiancé. You say it's your fiancé. Et toi, tu vas dire que c'est ma fiancée. Ta fiancée, vous avez déjà tout fini. Vous avez tout déjà fiancée. Et tu dis que c'est sa fiancée. Tu vas me montrer dans la Bible. Ou que quelqu'un a fiancé quelqu'un dans la Bible, qu'il connaît sa slip. Ou il connaît sa soutienne. Tu vas me montrer ça dans la Bible. Le Seigneur va te juger avec ça. Laissez-vous toute cette église. Qui vous a été de parmi de faire ça? C'est l'église de Babylone, l'église de l'Empire romain. Ça ne vient pas de Dieu. Si tu as fiancé quelqu'un, tu as déjà fiancé, c'est vous restez en distance jusqu'à le jour de la doute. Alléluia. Un peu de péché, il va souiller tout. Le corps. Il n'y a pas un petit péché, il n'y a pas un grand péché. Devant le Seigneur, péché c'est péché. C'est tout.
In the presence of Elohim, sin is sin. There's no small sin, there's no big sin. So all sin is sin. Alléluia. So, la première chose, si tu es rempli avec le Saint-Esprit, tu vas commencer à parler en niveau langue, langue différente. Toute la façon que tu parles avant, ça change. If you are filled with the Holy Spirit, you begin to speak differently. The way you speak before is no more like that. If you are filled with the Holy Spirit, number two, language change. Your language change. Si tu es rempli avec le Saint-Esprit, ton langage change. Alléluia. Si tu es rempli avec le Saint-Esprit, your own tongue become fire. That's why you must be very careful what you speak. Your tongue. Si tu es rempli avec le Saint-Esprit, ta langue est remplie avec le feu. Le feu de Yahusha, il contrôle maintenant ta langue. C'est pour cela que tu peux prier pour que quelqu'un déclare quelque chose et ça va accomplir. Your tongue now will carry fire. That's why you can pray for somebody and that thing will happen. Or when you say something, it will come to pass because your tongue now is filled with fire. Excuse-moi. C'est ça qui peut te faire aussi. Quand tu dis quelque chose à quelqu'un, quand tu déclares quelque chose, ça va réaliser parce que ton langue maintenant s'est oint par le feu de Saint-Esprit de Yahusha. Alléluia. Si quelqu'un est rempli avec le Saint-Esprit, if you are filled with the Holy Spirit, it enables us to speak to others in psalms, in hymns, in singing of praises and making melody. Si tu es rempli avec le Saint-Esprit, ça va nous permettre de parler à les gens avec la louange, adoration, pour montrer les gens comment chanter et faire le mélodie à notre Seigneur et glorifier notre Seigneur. Peut-être la personne est dans la situation. Peut-être que la personne il est dans le stress. Il te raconterait. Tu vas changer sa situation par les psaumes, les chansons, la parole qui va transformer sa vie, qui va les réveiller et les remettre dans la position de la joie. Amen. Alléluia. Amen. C'est lequel le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Que Dieu soit glorifié. Amen. Thank you. If you have Holy Spirit, you are filled with the Holy Spirit, you always give thanks to Elohim. Si tu es rempli avec le Saint-Esprit, tu vas toujours remercier l'Éternel. Quelqu'un qui est rempli avec le Saint-Esprit, il remercie l'Éternel dans toutes choses. Amen. Il est dans la joie tout le temps. Amen. Et glorifie le Seigneur. Alléluia. Amen. Que Dieu soit glorifié. Amen. Alléluia. Amen. Si tu es rempli avec le Saint-Esprit, anyone that filled with the Holy Spirit, the secret of, get this now, said, the secret of every child of Elohim, our secret, the secret of every child of Elohim is, one of the secrets is being filled in the Spirit. It enables us to walk with Elohim. Being filled, put it in this way, being filled in the Spirit enables us, it's a secret, being filled in the Spirit is a secret of the believers that enables us to walk with Elohim every time. Qu'est-ce que ça signifie en français? Il signifie que si pour, il dit, la secret des enfants de Dieu, c'est pour remplir dans l'esprit. Parce que quand on remplit dans l'esprit, ça nous permet de marcher avec le Seigneur tous les jours. Quand tu es rempli dans l'esprit, tu vas marcher avec le Seigneur tous les jours. Amen. Et c'est un grand secret. Amen. Ça, c'est notre secret. Les gens ne peuvent pas comprendre. Les gens ils voulaient savoir comment. Là, les gens en train de mimer, en train de souffrir. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Qu'est-ce qui
tu es dans la paix. Parce que quoi? Tu es rempli avec l'Esprit de Dieu et le Seigneur est avec toi tout le temps. Donc, tu ne paniques pas. Là que les gens ils paniquent, tu ne paniques pas. Alléluia. Amen. Que Dieu soit glorifié. Amen. Thank you, Lord. When somebody is feeling in the spirit, he said, we cannot defeat Satan, forces, if we are not filled in the spirit. That's another point. You see it? Il dit, on ne peut pas vaincre Satan avec tout son ami si on n'est pas rempli avec le Saint-Esprit. On ne peut pas le vaincre. Impossible. You can never overcome Satan if we are not filled in the Spirit. Alléluia. Okay, let us see another thing again before we see another, that Colossians chapter 3. Avant qu'on voit Colossians chapter 3, on va voir quelque part. On va terminer, je vais terminer bien. Thank you, Lord. Oh, that's already, time has already gone. Corinthians, je vais vous expliquer seulement. 1 Corinthians chapter 2, tu lis à partir de verset 1. Il est en train de parler les choses de l'esprit là-bas. Il dit les choses que nous on parle, il dit on prêche, on parle le mystère de le royaume de Dieu. Il dit cet mystère c'est réveillé par l'esprit de Dieu. L'homme de la chair ne veut pas comprendre ça que nous on parle. Parce que ça que nous on parle, ils sont des mystères de Dieu réveillés par l'esprit de Dieu. Donc qu'est-ce que je vais faire sortir là-bas? Bien-aimé, tu dois remplir avec l'esprit de Dieu parce que pour connaître notre Seigneur, pour connaître notre roi des rois, Yahuwah, sans l'esprit, il dit l'esprit de Dieu réveille les choses de l'esprit à tout. Je vais lire là-bas seulement. Je vais vous montrer là-bas. Aide-moi. À cause de temps, tu vas lire le Colossiens. Colossiens. 1 Corinthiens, je vais vous seulement montrer un mystère, une parole très très importante. Let me just show us 1 Corinthiens, a very powerful word that he said there. He's talking about being filled with the Holy Spirit. And see what he said there. Chapitre 2. 1 Corinthiens, chapitre 2. Il a dit, verset 10. Verset 9. But as it is written, eyes have not seen, nor ear heard, neither have entered into heart of man the things which Elohim God had prepared for them that love him. But God hath revealed them all to us by his Spirit. Jésus maintenant dans le numéro 10. By his Spirit. For the Spirit searcheth all things. Yeah, the deep things of Elohim God. Hallelujah. Amen. So that's why you and I need to be filled with the Spirit of Elohim. Edmar Lee, 9 et 10 en français. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9 et 10. Mm-hmm. Mais comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, c'est ce que l'œil n'a pas entendu, l'oreille n'a pas entendu. Ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Verset 10. Or, c'est à nous que Dieu l'a révélé par son esprit. Car l'esprit examine tout, même les profondeurs de Dieu. Il a révélé ça à nous par l'esprit de Dieu. C'est pour cela que tu dois remplir par l'Esprit de Dieu pour lui, pour te réveiller le secret, les choses cachées. Bien-aimé, tu dois remplir par son Esprit. C'est pour cela qu'on doit vivre dans l'Esprit. Tu dois remplir par l'Esprit. Tu dois vivre dans l'Esprit de Dieu. Sinon, tout ça que nous on est en train de parler là, c'est pour ça que vous n'avez pas comprendre, pasteur, bishop, l'église, vous n'avez pas comprendre ça que nous on parle. Tout ça qui est arrivé le monde aujourd'hui, toute la révélation, toute l'identité des Israélites que le Seigneur a été révélé là, tout ça qui a été sorti là, toute l'identité de le vrai nom de Yeshua Amashia qui a été sorti là, tout ça que le Seigneur a été fait là, vous n'avez pas comprendre.
parce que vous ne sont pas dans l'esprit. Quand tu n'es pas dans l'esprit, tu vas continuer de discuter. Tu vas continuer de discuter jusqu'à le temps que le Saint va partir. C'est le danger de vivre dans la chair. Quand tu continues de lire, il a dit, ça que nous on parle, il dit, homme de la chair, ne veut pas comprendre. Chrétien de la chair, tu ne veux pas comprendre. Pasteur de la chair, tu ne veux pas comprendre. Tout ça qu'on a dit de parler là, c'est très difficile pour toi. La réveil qui a été passée maintenant, que le peuple de Dieu, les vraies identités de les vrais Hébreux Israël, a nous les réveiller. Tu vas continuer de discuter, tu ne veux pas comprendre. Parce que quoi? Tu ne vis pas dans l'esprit. John 16, il dit, quand le Saint-Esprit va venir, il va vous réveiller, même les choses que je n'ai pas dit, les choses à venir. Les choses à venir. Il n'est pas écrit là. Les choses à venir, il va nous tous réveiller. Tout ça là, c'est par l'esprit de Yahoua. Il n'y a pas une théologie philosophique qui va te renseigner ça. Il va venir sur le mot te mentir. Il ne peut pas même croire. Mais nous qui sommes en esprit, il comprend quand notre papa parle. On connaît les choses de l'esprit. Et c'est l'esprit, écoutez-moi bien, c'est l'esprit qui contrôle le physique. C'est pour cela que quand il réveille ça dans l'esprit, ça va manifester physiquement. You see it? So this is why you have to learn. That's why many of them, they are confused today. They don't know what is happening. They don't know what is happening today. Because they are not pastors, bishops, or the churches. They are not working in the spirit. They are working under their pastor's theology and philosophy. They are working under their church philosophy and theology. That's why they cannot understand what is going on in the spirit. The revelation that is going on now, the restoration of the re-identity of the true Hebrew Israelite. The true Hebrew Israelites, the Lord is restoring them back. They are still confused. They don't know. They don't understand. Because what they are believing, their theology and philosophy are about to disappoint them. Because they are not in the spirit to understand what the Lord is doing now. In the book of John 16, he says, when the Holy Spirit will come, he will reveal unto you and I. We said, even this that is to come. So it is only when you are in the Holy Spirit that you can catch it. That's why you need to be filled with the Holy Spirit. After you are born again, you don't stop there. You move forward to be able to feel in the Spirit. And without the Holy Spirit, he said, my people are perished for lack of knowledge. Holy Spirit gives knowledge. Holy Spirit makes us to be wise. Holy Spirit makes us to understand the things of the Spirit. He said, a carnal man cannot understand the spirit of the things of the spirit. All those churches, all those people are carnal. That's why they are arguing the truth. Hallelujah. Il a dit dans sa parole, il dit, mon peuple périt à cause de quoi? Marque de connaissance. La marque de connaissance, c'est la marque du Saint-Esprit. C'est la marque de l'Esprit de Dieu en nous. Quand tu n'es pas l'Esprit de Dieu en toi, tu es pourri. Tu ne peux rien connaître. Tu es manque de formation, manque de connaissances, manque de la sagesse, manque de toutes choses. Et tu vas mourir. Et la mort là-bas, c'est à l'enfer. Le Saint-Esprit à nous, il nous réveille toutes choses. Les choses, c'est pour ça que tout ce qui sont en esprit, apporte pas, il a dit là-bas, il dit, c'est pour ça que on parle, notre évangile, c'est un mystère. C'est un mystère. Il n'y a que tous qui sont dans l'esprit qui vont comprendre ça que nous on parle. Parce que c'est le mystère de Dieu caché pour le sage de cet monde. Le sage de cet monde ne veut pas comprendre ça. Parce que ça les dépasse. Ils ne sont pas avec l'esprit de Dieu. Mais tous qui sont dans l'esprit de Dieu, ils vont comprendre ça que nous on parle. Que c'est la vérité. Alléluia. Il a dit encore un autre endroit. Il dit, si notre évangile c'est caché pour vous parce que le prince de ce monde est déjà aveuglé votre yeux, ok? En voyant, vous ne voyez pas. Alléluia.
You see, another thing he said in another place again. He said, if our gospel, this message that you are preaching is hidden to you, is hidden to you because the prince of this world have covered your eyes that in seeing, you cannot see this our evangel, this our gospel. You cannot see it because of what? You are not in the spirit. You don't have the spirit of Elohim. It's mystery. Hallelujah. Amen. Cherchez le Saint-Esprit. Il faut avoir le Saint-Esprit. Comme ça, quand quelqu'un vient en train de mentir devant toi, et un pasteur vient, il me dit quand il est en train de parler, le Saint-Esprit va l'éduquer. Tu as vu, non? Le premier verset qu'il va amener là, comme ça, le Saint-Esprit va. Tu as vu. Regarde, je vais lui exposer maintenant. Regarde. Tu as vu qu'il est en train de mentir. Il va l'éduquer là. Quand vous êtes dans cette mariage, il me dit quand vous rentrez là-bas, parce que vous êtes rempli avec le Saint-Esprit, il me dit quand vous rentrez là-bas, s'il n'y a pas le Saint-Esprit là-bas, vous allez sentir ça immédiatement. La façon, il me dit quand vous rentrez là-bas, bah, bah, ah, là n'est pas OK. Avant de commencer de regarder comment ils sont habillés, bien, non, non. L'Esprit de Dieu, il dégoûte ça. L'Esprit de Dieu en vous, il dégoûte ce système. Alléluia. Amen. Que Dieu soit glorifié. Amen. Lis-moi ça là-bas. On va venir. Colossiens. Attends, Colossiens chapitre 3. À la maison, on va finir le reste. On va finir le reste. Mais so, just prends ça, verse 1, 2, peut-être 3, 4, mais à la maison. C'est très, très intéressant. Très, très intéressant. C'est la vie des gens qui sont remplis par le Saint-Esprit. Ne remplis pas par l'alcool. Laissez toutes les choses là. Ne discute pas. Si vous rencontrez quelqu'un qui est en train de discuter, montre-lui les choses, montre-lui la Bible. Laisse la personne. La personne n'est pas encore rencontré les choses. Quand il raconte les choses, il va laisser toutes les choses là. Hein? Colossiens 3, à partir du verset 1. Oui. Puisque vous avez été ramenés de la mort à la vie avec le Christ, vous avez vu, non? Recherchez alors les choses qui sont au ciel. Là, cherchez à les choses qui sont au ciel. Il parle des gens qui sont remplis par l'Esprit. Il n'y a que les gens qui sont remplis par l'Esprit qui peuvent comprendre cet mot. Alléluia. Amen. You see it? It is only those ones who are filled with the Holy Spirit who understand what he's saying here in Colossians 3. If you are truly you have been bought back by the blood of Yeshua HaMashiach from death, he said, now seek you things that are above, things that are in heaven. It is only those who are filled with the Holy Spirit who understand this. So we are not here again to look for drink for wine, look for alcohol, look for this, look for things that are above. So on n'est pas là maintenant pour chercher sous la terre là l'alcohol, le vin et pour remplir avec ça. Non. C'est les choses de en haut. Allez-y. Là où le Christ siège à la droite de Dieu. Tu as vu, non? Allez-y. Verset 2. Préoccupez-vous de ce qui est là-haut. Et non, préoccupez-vous de là-haut. Ce qui est là-haut. Ok. Et non, ce qui est sur la terre. Be busy, be filled up with things of above, not things of on this earth. C'est pas tout ce qui est en terre. Allez-y. Verset 3. Car vous êtes mort et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Parce qu'on est déjà mort. Toi qui aimes l'alcool, si tu as rencontré Jésus-Christ, tu es déjà mort. Tu ne... Quelqu'un qui est déjà mort, est-ce qu'il a besoin encore d'alcool? C'est ça qu'il a dit. Quelqu'un qui est déjà mort, il a besoin encore de la cigarette. Il a déjà tout abandonné. C'est ça que ça signifie. Il a déjà tout abandonné. Quelqu'un qui est déjà mort, il a besoin encore de fornication. Tu es déjà mort. Tu es déjà mort avec Jésus-Christ. Alléluia. C'est ça qu'il a essayé de nous expliquer. You see it? We are dead with Christ. So anyone that died doesn't need an alcohol again. He's dead. He's dead. It doesn't need alcohol. That's what he's saying, that we are dead with Christ.
Anyone that dead, he don't need fornication, adultery. He don't need sex again. He's dead. He's dead. So we are dead with Christ. Anyone that dead, he don't thief again. He's dead. Which thief? Did we jump here again? Yesterday. Eh? Est-ce que tu vas encore aller dire les gens que il a venu chez moi voler hier? Eh? Il est déjà mort. Mais il est déjà mort. Tu as vu quelqu'un qui? Peut-être c'est un esprit que tu as vu, hein? C'est pas lui. Il est mort depuis l'année dernière. Il a venu voler chez toi hier, comment? Alléluia. Donc en Christ, on a déjà mort. Le péché ne doit pas exister encore. Un petit vin, non. Tout c'est déjà mort avec nous. Maintenant, nous sommes en Christ et avec un nouveau vie. Rempli avec son esprit. Et pensez seulement ce qui est aussi. Il y a un mot là-bas, on va finir là-bas. Verset 4. Votre véritable vie, c'est le Christ. Okay. Quand il paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui en participant à sa gloire. Ok, lis le 5. Verset 5. La vie ancienne et la vie nouvelle. Fais quoi? La vie ancienne et la vie nouvelle. Faites donc mourir tout ce qui est terrestre en vous. La débauche, l'impureté, l'égoïsme, les mauvais désirs et l'avarice. Car l'avarice, c'est de l'idolâtrie. Merci, ça va. À la maison, on va lire le reste. In the house, let us go and read the rest. Ça, c'est la vie de quelqu'un qui est rempli dans l'esprit. Les choses qu'on doit vérifier, qu'on doit faire mourir ces choses. Ça ne doit pas se trouver en notre vie again, encore. Go into the house, read and study that place very well. These are things, anyone that feels in the Holy Spirit, he will explain to you what you're not supposed to see again in our life. Drinking wine, drinking alcohol, fornication, adultery, lie. Don't want to have to be seen again in our life. Forget about this Christianism. Forget about Christianism. Christianism allow all those things. That's why we are not serving the same Yahuwah, Yahusha. The introduction of Christianism is what they used to steal us to slavery. Hallelujah. C'est pour cela que je vous parle. Laissez-vous oublier l'affaire de Christianism et cette religion et tout ça. Cette religion, l'introduction de cette religion, c'est ça qu'ils ont utilisé pour nous voler et nous amener dans l'esclavage. Cette femme, je vais vous envoyer cette femme. Cette femme, un blanc, il a dit, comment quelqu'un va dire qu'ils sont chrétiens, ils savent Dieu, et vient vous esclavager. Elle a dit, c'est pas ça, c'est bon. Ils sont racistes contre vous jusqu'à aujourd'hui. Il a demandé, c'est un blanc, il dit, quel Dieu qui est raciste? Elle a dit, alors que le noir que vous êtes en train de faire le raciste là, quand vous allez chez eux, vous êtes à l'aise. Il ne vous fait pas raciste. Mais quand il vient ici, à part de esclaves qu'ils sont, vous les faites raciste encore. Alors que vous réclamez que c'est vous qui les introduit le vrai Dieu. Qui est quelqu'un qui presse, qui introduit le vrai Dieu qui fait le racisme? Comme j'ai dit de prêcher là, si je pratique ça, ça veut dire que je ne sens pas Dieu. Malgré tout leur méchanceté et n'importe quoi, ou même quelqu'un me fait mal, n'importe comment, je te vois si tu as besoin de service que je vais te donner. Je vais faire ça. Pour moi, ma prière, c'est que tu repentes. Ce n'est pas pour venir maintenant te faire mal ou voler toute ta richesse et mettre ta tête assise sur ta tête et dire jamais tu ne peux pas lever la tête. Je vois comment ils sont, les Niger, ils sont allés arrêter l'ambassade de France qui sont au Niger en train de lire. Les gens, ils sont contents en train de lire. Parti. Parce que quoi? Depuis que les gens l'ont dit, sortez-vous dans notre pays, on ne fait pas cette relation encore. Vous insistez, dites jamais. Jamais.
C'est obligatoire? Ce n'est pas obligatoire. Si tu m'as dit aujourd'hui de partir, laisser ton pays partir, je vais prendre mon valise et tout. Partir. Mais quand j'insiste, ça veut dire que je suis un voleur. Qu'est-ce que je veux? Pourquoi? Si tu me fais n'importe quoi, c'est moi qui ai fait ça parce que qu'est-ce que je veux encore en France quand tu me dis de partir? J'ai mon pays. Je prends mon valise, je rentre là-bas. Mais pourquoi vous insistez? Tu as dit d'insister, c'est ton pays. Les gens que tu as dit d'insister de rester là-bas, ce n'est pas les gens que vous avez dit qu'ils sont comme le singe et le chimpanzin. Mais leur richesse n'est pas comme chimpanzin. Leur richesse n'est pas comme singe. Leur richesse n'est pas comme gorilla. On doit aller repenter, bien-aimé. Sortez-nous dans toute cette fausse religion. Cherchez Yeshua Amashia. Et cherchez son amour. Et puis sois rempli avec le Saint-Esprit. Qu'il peut pardonner tout notre péché. Et réarranger notre vie. Levez-nous. On va prier. Alléluia. Priez, demandez au Seigneur. Touche-moi. Et remplis-moi avec ton esprit. Remplis-moi avec ton esprit. Je veux ton esprit, Seigneur. Pray, ask the Lord. Fill me with your spirit. I want your Holy Spirit. Sanctify me with your Holy Spirit. Father, sanctify me. I need your Holy Spirit. I want to operate in Holy Spirit. I want to be filled with Holy Spirit. I want to walk in Holy Spirit. I want to do your will. I want to see you, Elohim. I want to see you, Adonai. I want to walk with you, Yeshua. I want to walk with you, Yeshua. Papa, any evil spirit in me, chase them away. Seigneur, tous les mauvais esprits en moi, papa, évacuez tout. Évacuez tout, Seigneur. Évacuez tout, Seigneur. Fais-moi, aide-moi pour remplir avec ton esprit. Sanctifiez-moi. Sanctifiez-moi. Je veux ton esprit. L'esprit de la vérité. L'esprit de la sainteté. L'esprit de la sainteté. L'esprit saint de Yeshua HaMashiach. I want your Holy Spirit. The spirit of holiness. The spirit of righteousness. The spirit that fears the Lord. The spirit that speaks the truth. The spirit qui parle la vérité, qui dit la vérité. The spirit qui dit la vérité. Papa, remplis-moi avec cet esprit. Au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Merci Seigneur, merci Dieu. Merci notre Père. Merci le roi des rois. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit élevé. Que son nom soit glorifié. Merci notre Père. Il descend le Saint-Esprit. Personne ne rend pardon son royaume. Dans le livre de Jean 3. In the book of John chapter 3. Without Holy Spirit, you can't enter the kingdom of God. You must be filled with the Holy Spirit. All those people that are dressing like a prostitute. If you are filled with the Holy Spirit, you will not dress like that. My sister, my brother. Every one of them that claim that Hebrew Israelite, you are still dressed. Look at their fingernails. You have not filled with the Holy Spirit. Et vous tous qui dites que vous êtes rempli avec le Saint-Esprit, vous en train de faire le message de Yeshua HaMashiach dans l'Internet et partout. Vous dites que vous êtes Hebrew Israélite. Va regarder les zongs, comment on dit ça? Les zongs, ça qui sont fixés et tout. C'est comme les vampires. Va regarder les faux ongles. Va regarder le bouc des oreilles. Va regarder tout. C'est comme Jézabel. Marcel, s'il vous plaît, tu es encore Jézabel. Tu n'as pas encore rencontré le Saint-Esprit. Oui, tu parles des choses qu'on peut écouter. Mais fais attention. Satan aussi, il parle. Il connaît l'évangile. Satan, il connaît la vérité. Oh. Aha. So, your sisters that are speaking, Israelites coming together. Go and repent to Satan. Speak, he know the truth. He speak the truth to deceive people also. Go and repent. Change all those fingernails. Wear good cloth. Don't be showing us your breasts. Open bodies, cloth. We don't want to be seeing it in the YouTube. Go and change and repent. Turn away from it. Fake ear. Mami water ear. Hebrew Israelite. In America, United States, in UK, everywhere you are. In Nigeria, repent. In France, repent. Les enfants de Hébreux, partout, les Américains,
les Américains, l'évangile qu'on vous a donné là-bas, c'est très, très mal. Rappelle que c'est Babylone. Babylone, Américain, c'est eux qui ont détruit tout. C'est là-bas que toutes les mauvaises choses viennent. Va vous repentir, va vous changer. La réveil là qu'on a été réveillé, c'est pour mettre notre vie en ordre. Que Dieu nous aide. Au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Amen. Amen. Que Dieu garde et protège nous.